J'avais travaillé sur ces appareils photo avec Memory Box 1 et 2. Tous ces appareils avaient été fabriqués entre 1930 et 1945. Dans cette première étape, je les avais pris collectivement. Et peut-être que dans cette collection d'appareils réapparaissait ou ressurgissait l'individualité de chacun. Ils étaient tous semblables et à la fois ils avaient chacun leur personnalité. Dans cette nouvelle étape, je les ai pris individuellement, chacun des appareils, et je voulais les prendre dans un moment d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne savait pas s'ils étaient en train de s'immerger, de s'engloutir, peut-être dans l'oubli, ou au contraire de rejaillir, de ressurgir, comme après une fouille archéologique. J'ai utilisé de la paraffine qui est éclairée par derrière, et ça donne cette impression double, comme si on voyait l'objet de très très haut, et ça donne l'impression d'une cartographie lunaire, donc comme d'un relief vu de très loin, et à la fois comme d'une chose vue de très très près, peut-être comme une matière cervicale, l'appareil symbolisant un souvenir qui se serait fiché dans notre esprit. Voilà.